seulement cette vidéo, cela veut dire que vous êtes intéressé par le forex trading. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner et d'activer aussi la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes vidéos sur l'analyse du marché de l'or et également des vidéos sur les indicateurs, n'est-ce pas, qui sont susceptibles de vous aider pour votre entrée sur le marché. Et si cela est fait, sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'indicateur Alligator. Alors, l'indicateur Alligator va beaucoup nous aider dans, n'est-ce pas, notre entrée sur le marché. Et ça va également nous aider à suivre notre trend. Voilà. Et à suivre notre trend jusqu'à ce qu'on sorte du marché. Alors, très rapidement, nous allons, n'est-ce pas, aller sur le graphique de 4 heures. Nous sommes sur le graphique de 4 heures, ok, sur l'or, ok. Alors, nous allons chercher également l'indicateur Alligator Williams. Ok, nous l'avons cliqué et voici ce que ça nous donne. Nous sommes en 4 heures. Ok, alors l'objectif, n'est-ce pas, de notre l'objectif de notre indicateur ici, c'est de nous montrer les opportunités, n'est-ce pas, sur le marché. Il faut toujours savoir une chose très importante sur le trading. Il faut toujours suivre le trend. Suivre le trend, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut suivre les grandes banques, c'est-à-dire comme la direction que les grandes banques, n'est-ce pas, ont donné au marché. Alors ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que il y a effectivement un trend ici. C'est-à-dire, c'est clair, n'est-ce pas, que le marché okay. Le marché, n'est-ce pas, vers le haut. Ok, maintenant, dans ce sens, en quoi est-ce que l'indicateur sera très utile pour nous? Je vous demande de descendre sur le graphique de 1 heure. Ok, et sur le graphique de 1 heure, nous allons directement sur Alligator et changer, n'est-ce pas, notre paramètre et mettre ici une heure. Ok, après cela on change. Ok, maintenant après avoir tracé la droite du trend, ok, qu'est-ce que nous allons chercher à faire? C'est-à-dire une fois que le prix touche la barre du trend, ok, et que ça recasse la droite bleue, c'est-à-dire ici, ok, je vais mettre flèche pour une minute, je vais voir très rapidement si j'ai pu trouver, ok. Non, je vais prendre le contraire, c'est-à-dire qu'il... Ok. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que en suivant notre trend, en suivant la droite, ok, le prix est arrivé jusqu'à, n'est-ce pas, à oversell. C'est-à-dire ici, à ce niveau-là, nous sommes arrivés à oversell. N'oubliez pas que ce trend, on a tracé ça sur à partir de la droite, n'est-ce pas, du graphique de 4 heures. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que non,
nous avons l'opportunité, n'est-ce pas, plus élargie d'avoir de gros gains, excusez-moi, sur le marché. Donc, une fois que, à partir de notre trend tracé à partir du graphique de 4 heures, vers le bas, on trouve quoi? Que le prix casse, n'est-ce pas, la courbe, n'est-ce pas, bleue, automatiquement, nous faisons quoi? Nous entrons en achat. Ok? Lorsque nous entrons en achat, où est-ce que nous devons sortir? Alors, on cherche très rapidement le niveau le plus, le niveau, n'est-ce pas, le plus près, le plus proche, n'est-ce pas, dans le passé, pour faire notre sortie. Ça, c'est la méthode que les scalpers doivent, n'est-ce pas, utiliser. Donc, le niveau, c'est ce niveau-là. Ok? C'est ce niveau-là. Ok? Donc, c'est ce niveau-là. Donc, lorsque nous entrons sur... Lorsque nous entrons sur cette bougie, il y aura effectivement un retest. Voilà. Mais nous entrons ici. Ok? Après cassure de cette bougie, nous entrons ici. Ok? Donc, lorsque nous entrons ici, je vais écrire pour ne pas que vous oubliez. Entrée. Entrée. Ok. Et je vais écrire notre premier take profit. TP1. Notre TP1 sera à ce niveau-là. Ok. Maintenant, le TP2. Ok. Vous voyez ces deux droites que nous avons tracées, c'était pour couvrir, n'est-ce pas, cette zone-là. Après cela, nous devons attendre une confirmation ici, n'est-ce pas, pour casser la zone et aller, n'est-ce pas, vers le haut. Et effectivement, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que il y a une bougie, une grosse bougie qui a cassé, n'est-ce pas, la courbe bleue. Effectivement, ici, il y a eu retest, mais nous avons vu également ici encore, avec cette bougie-là, qu'il y a, n'est-ce pas, cassure. Alors, à partir d'ici, nous pouvons, n'est-ce pas, entrer. Ok? Nous pouvons entrer avec une petite mise à partir d'ici. Ok? Parce que nous sommes toujours au-dessus, n'est-ce pas, des courbes. Et où est-ce qu'on doit sortir? Après cela, je vais vous montrer. Voilà, où est-ce qu'on doit sortir? C'est à ce niveau-là. C'est-à-dire le niveau le plus récent que nous devons toucher. Ok? Donc, c'est-à-dire ce niveau-là. Donc, à partir d'ici, ok? À partir d'ici, jusqu'ici. Ok? Ça, c'est notre... Ok? Notre trade. Maintenant, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, il faut toujours remarquer que la droite, n'est-ce pas, sinon la courbe verte, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, se transforme, n'est-ce pas, en backtest. Ok? En backtest de notre indicateur. Ok? Une fois que le prix ou bien les bougies cassent, n'est-ce pas, ce niveau-là, on doit sortir. Donc ici, effectivement, on a remarqué que quoi? Que la bougie n'a pas pu casser ce niveau-là. Donc, après cela, il y a eu, n'est-ce pas, cette bougie verte-là. Ok? Après cette bougie verte, nous pouvons, n'est-ce pas, entrer ici. Nous pouvons entrer à partir d'ici, n'est-ce pas? Et comment savoir où sortir, n'est-ce pas, dans le prochain? Nous allons, n'est-ce pas, tracer notre zone à partir du passé, c'est-à-dire ce niveau-là.
ce niveau-là. Donc, du coup, d'ici, de là à là, ok, et on fait notre take profit. Donc, ça fait, n'est-ce pas, combien de trades? Ça fait une fois, ok. Deuxième trade, ok, et troisième trade, et on sort du marché, ok. Alors, ce système là, on le fait lorsque le prix, n'est-ce pas, lorsque le prix est proche, n'est-ce pas, de notre trending line en bas, et on va vers le haut. Alors, lorsque nous sommes ici également, lorsque nous sommes en haut, il faut toujours, n'est-ce pas, penser à, on peut vendre, mais il faut toujours suivre le trend pour éviter, n'est-ce pas, des éventuelles surprises sur le marché. Donc, du coup, je ne vais pas vous demander de vendre, mais toujours d'acheter. Ok? Parce qu'il y a notre grand trend que nous suivons. Donc, après ce niveau qu'il y a vente, que nous n'allons pas, n'est-ce pas, tenir compte, vous allez remarquer, effectivement, ici, que le prix touche, n'est-ce pas, la droite de notre trend ici qui va vers le haut. Donc à partir de ce moment là nous attendons que le prix arrive encore à casser, n'est-ce pas, la courbe bleue. Donc nous, notre entrée sera à partir de ce niveau là, ok. Donc lorsque notre entrée est à partir de ce niveau là il va supprimer ça parce que c'est dans le passé, il ne veut pas que ça vous mélange. Donc lorsque nous entrons ici, quel est le passé le plus, n'est-ce pas, proche où il y a eu, n'est-ce pas, de blocage? C'est à ce niveau là, ok. Donc notre droite sera, n'est-ce pas, ici, ok. Donc d'ici, de là à là, ok, de là à là, on sort du marché. Ça, c'est l'opportunité qu'on a eu encore. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on sort, ici, je vous ai dit, on privilégie seulement le buy. Donc, on ne va pas tenir compte de ça. On va attendre encore à ce que le prix, n'est-ce pas, casse ce niveau. Et pourquoi est-ce que nous entrons à chaque fois vers le bas? Tout simplement parce que nous sommes proches de notre trending line, ok. Et si nous voyons que le prix, comme par exemple ici, ça n'a pas trop touché, ok. Attends, je dois doubler la droite, sinon, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, il faut toujours doubler votre droite de trend line, sinon. Okay. Donc du coup le prix a touché ce niveau là voilà pourquoi ici vous voyez, donc effectivement ici également c'est notre oversell. Donc ici, il y avait, n'est-ce pas, entrée. Ici il y avait entrée. Alors dans ce cas, lorsqu'on rentre ici, où est-ce qu'on doit sortir? C'est clair et net que le prochain plus haut, c'est-à-dire où le prix a touché, n'est-ce pas, c'est dans ces zones-là que nous allons, n'est-ce pas, sortir. Donc d'ici à là, ok, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on casse. Donc vous voyez effectivement ici que nous avons cassé, n'est-ce pas, le niveau de notre quoi, de notre trending line. Donc une fois que nous avons cassé le niveau de notre trending line, c'est un autre schéma, n'est-ce pas, qui va se construire. Ce schéma qui va se construire là, ça sera, n'est-ce pas, à partir de notre c'est à partir, n'est-ce pas, de notre
graphique plus haut, c'est-à-dire on va en day pour savoir à quel niveau le prix doit s'arrêter. Donc le niveau le plus proche, c'est ce niveau là ok, c'est ce niveau, c'est ce niveau et c'est ce niveau là ok. Donc nous sommes, disons, arrivés à un niveau où, n'est-ce pas, le prix peut, n'est-ce pas, rebondir, peut faire un backtest et casser la zone. Donc dès que le prix casse la zone ici en D, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Le prochain stop, c'est où? C'est ici. On va prendre la zone la plus, n'est-ce pas, proche. C'est cette zone-là. Ok? C'est cette zone-là. Donc, si jamais le prix casse ce niveau-là, ok, et que tous nos paramètres que, n'est-ce pas, nous cherchons pour pouvoir entrer sur le marché, si tout est confirmé, alors dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou mois, c'est sûr et certain que le prix va arriver à ce niveau. Mais pour arriver à ce niveau, comme vous le savez toujours, le trading n'est pas une droite comme ça. Donc le prix peut venir, ça va casser ce niveau, ok, ça va, n'est-ce pas, faire son retest, ça va peut-être arriver à ce niveau, ok, ça va, n'est-ce pas, faire le retest sur la zone précédente et après ça peut recasser et arriver à ce niveau là donc ça sera un truc de ce genre. Donc pour arriver à ce niveau là il faut beaucoup de confirmations. Donc la bougie, n'est-ce pas, peut redescendre, voilà, ça peut redescendre la prochaine fois et fait ses zigzags, ok, fait ses zigzags, parce que vous voyez, si on continue avec le même train, n'est-ce pas, de 4 heures ici, ça s'allonge, ok, ça également s'allonge ici, ça s'allonge. Donc vous voyez que nous avons cassé le niveau. Donc dès qu'on casse le niveau, on pense, n'est-ce pas, à sell. Donc il y aura un zigzag jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau là donc sans plus tarder, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se limiter, n'est-ce pas, à notre explication. Donc, pour vous faire comprendre, ok, pour résumer, lorsque, ok, on suit notre trending line, nous allons, n'est-ce pas, entrer à chaque fois que le prix, n'est-ce pas, casse le... Ça dépend de la direction globale, n'est-ce pas, de notre trending line. Si on sait que non, le prix, n'est-ce pas, va en hausse, ok, toutes les opportunités que nous allons chercher, ce sont les achats. Et les achats que nous allons chercher, nous allons, n'est-ce pas, attendre que nos paramètres, n'est-ce pas, soient mis en place. C'est-à-dire quoi? Le prix doit casser, n'est-ce pas, la droite bleue et la courbe bleue et attendre notre retest. Et paf, entrer sur le marché pour sortir sur la zone, n'est-ce pas, de la gauche la plus proche. Donc c'est un peu ça la technique. Et sur ce, j'espère que je me suis fait bien expliquer. Et sur ce, je vous demande de ne pas oublier, n'est-ce pas, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes vidéos. Et cette vidéo, n'est-ce pas, se termine là. À la prochaine. Que le Tout-Puissant, n'est-ce pas, bénisse votre famille et protège, n'est-ce pas, vos projets. À la prochaine.